Aujourd'hui, nous allons voir le système de messagerie d'Ami, qui se prénomme Butterlink. Donc, je vais vous demander d'aller dans le panneau de navigation qui se trouve sur votre gauche tout en haut, les trois petits traits, de cliquer dessus, d'aller sur Butterlink. Donc, c'est la messagerie instantanée. Déjà, avant de commencer à expliquer comment fonctionne Butterlink, l'intérêt vraiment de Butterlink, c'est vrai, c'est que les messages ne restent pas plus de 30 jours. Donc, ce qui est, c'est le petit côté éco-responsable de Butterlink que propose Ami. Donc, pour voir ça, vous pouvez voir dans les paramètres les trois petits trous qui se trouvent à droite de votre écran, cliquez dessus et regardez sur la durée de conservation des messages. Là, vous pouvez sélectionner donc 1 jour, 7 jours, 14 jours ou 30 jours. Moi, je prends à peu près 14 jours. Ça me laisse le temps de voir les différents messages et de pouvoir ensuite les traiter. Donc, comment fait-on pour discuter avec un ami? Donc, je vais rechercher une connaissance, un ami ou un proche. Cliquez dessus. Donc là, je vais discuter avec Aurélie et valider ma conversation. Une fois que j'ai validé ma conversation, donc là, je peux lui envoyer un message. Qu'elle recevra dès qu'elle sera connectée, même en instantané, si elle est sur son ordinateur ou sur son smartphone. Butterlink peut très bien s'installer sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre smartphone. Je peux aussi lui envoyer un message vocal. Donc, je clique dessus et je peux enregistrer un message. Je peux lui envoyer aussi une vidéo en lui demandant comment elle va. Lui envoyer une photo, donc déposer une photo directement sur la messagerie. Il faut bien attendre que ça soit traité et téléchargé pour qu'elle puisse le recevoir. Instantanément, une fois que le traitement sera terminé, voilà, la photo apparaîtra sur le fil de la conversation. Là, une fois que le téléchargement est fait, vous pouvez réduire l'écran de droite. Et je peux lui envoyer aussi un GIF, donc une courte animation. Voilà, je lui envoie une petite animation. Ce qui est intéressant avec Butterlink, c'est que vous pouvez aussi créer un dossier où vous allez pouvoir enregistrer vos messages importants et les documents importants aussi que votre ami vous aura envoyé. Vous pouvez cliquer sur le dossier qui est juste à côté du téléphone. Là, bienvenue sur Ami Documents. Donnez un nom au dossier. Donc, je vais donner le nom au dossier et je vais le créer. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai un dossier et je veux pouvoir enregistrer l'ensemble des documents ou des conversations qui m'ont été envoyées. Donc là, vous venez voir. Si je clique sur le message et si je fais enregistrer, la conversation va pouvoir être enregistrée dans mon dossier. Je recommence. Comment vas-tu? Je clique sur le message. Je fais le petit nuage avec une flèche. Et c'est directement enregistré dans le dossier que nous venons de créer. Quand je clique sur le message, il y a une petite roue avec des paramètres. Donc, je clique dessus, je peux très bien copier le message qu'elle vient de m'envoyer. Je vais pouvoir aussi éditer le message, revoir mon message et le modifier. Je modifie le message et le message vient de se modifier. Si jamais on a fait des fautes,
je peux aussi, très bien, supprimer le message. Je peux aussi créer une discussion à plusieurs. Je vais inviter William et Aurélie. Vous pouvez mettre autant de personnes que vous voulez dans la conversation. Valider la conversation. Bonjour. Et leur envoyer un message ou deux. Donc, si je clique sur les paramètres qui se trouvent tout à droite de votre messagerie, vous pouvez quitter la conversation. Si je quitte la conversation, là, il va me demander, les autres participants seront au courant que j'ai quitté la conversation. Quitter la conversation. Encore une fois, pour créer une nouvelle communication, un nouvel échange avec quelqu'un, ou même une personne de l'extérieur, là, je peux cliquer sur « Inviter un contact à rejoindre la conversation », copier ce lien et je peux l'envoyer directement sur via un mail ou via Messenger de Facebook pour qu'il puisse rejoindre la conversation Butterlink. Voilà pour ce qui est des grandes lignes de la messagerie de Ami Butterlink. J'espère que la vidéo vous aura plu et rendez-vous à la prochaine vidéo.